Anwar et Nordin Melikci. Nordin Melikci est professeur en physique à l'université de Massachusetts aux États-Unis. Il est spécialiste dans le domaine de la physique at atomique, moléculaire et optique. Il est membre du Mars, euh, du Mars Science Laboratory, la plus grande institution de recherche en exploration de la planète Mars de l'agence spatiale américaine, la NASA. Il est aussi membre de l'équipe de chercheurs de la NASA qui travaille sur la prochaine mission sur Mars 2020. Dr Nordin Melichi a reçu plusieurs distinctions dans sa carrière. À titre d'exemple, il a été élu Fellow of the Optical Society of America, distinction très sélective accordée aux meilleurs travaux et parcours dans les domaines de l'optique et de la photonique. Il est aussi follow de la prestigieuse American Physical Society et de la plus grande association de scientifiques à travers le monde, l'American Association for the Advancement of Science. Ces organisations récompensent les progrès en physique et d'une manière générale en sciences qui ont apporté des, contribu des contributions novatrices importantes en physique. Le nombre de membres élus chaque année est très limité. Il est d'environ 0,5 du nombre total de leurs membres. Dr. Nordin Malikshi est le doyen du euh, de Kennedy College of Sciences aux États-Unis d'Amérique. Il est régulièrement invité à donner des conférences sur la détection des cancers et euh, la spectroscopie des roches et terrains martiens. كل باركور دكتور مليكشي أزول في الله أزول في الله دكتور مليكشي اللي حالا في مليكان وصفراحة أو يوفان لو كان داويرا كاثا حواش تفاني تيديرم في مليكان أكثورا ذي ثالثة الكورونا فيروس Eh D'abord, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à, et à contribuer peut-être à tout ce qui se passe un peu dans le monde, tout ce qui touche au coronavirus. Euh, effectivement, la situation aux États-Unis n'est pas reluisante, comme vous venez de le dire. Et euh, je vis ici et je crois que c'est dû surtout au fait que les gens peut-être n'ont pas pris cette pandémie très au sérieux au début, euh, même ici aux États-Unis. Euh, donc, on voit, par contre, là, on voit que beaucoup d'États euh, sont en train de, 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 de placer, des, de demander à, leur, à leurs citoyens de rester chez eux, leurs citoyens aussi de rester chez eux, de se confiner et, et voilà. Mais la situation n'est pas révisante quand on néglige une pandémie comme ça pendant quelques jours. Chaque jour qui passe est très très important et par conséquent on voit ce que la Chine a vu avant les États-Unis, l'Italie avant les États-Unis, une, une, une rapide croissance que tout le monde connaît maintenant, l'exponentielle ici aux États-Unis aussi bien hein, du point de vue du nombre de personnes qui sont atteintes par le coronavirus que euh, malheureusement des, des décès. Euh, Est-ce que vous avez des chiffres jusqu'à jour euh, à ce jour Oui, les chiffres sont, 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 sont publiés. Vous pouvez aller sur Johns Hopkins Research Center pour les voir. je les vois, je les ai vus juste avant. Mais bon, les chiffres augmentent et ça change tellement vite que que c'est que, 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 que c'est malheureux. Par contre, je dirais une chose, c'est que les chiffres que l'on voit à l'échelle nationale ne donnent pas le nombre de tests qui ont été effectués sur les personnes. Nous, nous ici au Massachusetts, si vous allez sur le sur le site du Massachusetts, vous allez voir qu'ils ont je, à aujourd'hui, je crois qu'ils ont testé 23 000 personnes. Et sur les 23 000 personnes, il y a à peu près 3 000, je crois un peu plus de 3 000, à 3 300. Qui sont positifs, ce qui veut dire qu'il y a qu un, qu un ratio à peu près hein, de 11% de personnes qui sont de, de testées euh, qui, qui sont positifs. Euh, maintenant, la question suivante qui se pose, c'est qui a été testé, qui ne l'a pas été. Ce sont surtout, je pense, les personnes qui ont des symptômes déjà. Donc, euh, les chiffres, euh, il y a des données qui manquent, il y a beaucoup de données qui manquent, mais une chose est certaine, c'est que ce qu'on a vu en Chine euh, est en train de se produire ici aux États-Unis et ce n'est pas très réluisant, et ça fait ça fait, ça fait peur. Et, et, exactement. Vrai euh, Diner, euh, justement, et, euh, vous êtes un scientifique. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire, narrateur Diner, euh, est-ce est que c'est le confinement est la seule solution ou bien, à votre avis, euh, il y a une solution magique ou rapide à ce à ce problème ben, Disons, la chose suivante, c'est que c'est que d'abord le confinement est nécessaire. Il n'est pas, ce n'est pas la solution radicale qui va faire disparaître le, le virus. Je ne suis pas épidémiologiste, mais par contre, la, la raison, et quand on regarde un peu les publications qu'il y a et ce qui se passe en Chine et en Europe, euh, il est évident que le, que, que, que le confinement est nécessaire pour ralentir, ralentir la progression pour ralentir la progression de, de, du virus. Mais ce n'est pas pour l'éliminer, c'est surtout pour ralentir cette progression. Donc ça, c'est nécessaire. Mais est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Il faut un remède. Maintenant, y a-t-il, je crois pour la deuxième partie de votre question, y a-t-il un remède et comment on voit qu'il qu y a un remède à cela? une solution rapide, et bien malheureusement, la science a besoin de... Il de, y a, a toute un, une procédure scientifique qu'il faut mettre en place avant de dire qu'un remède marche ou ne marche pas, qu'un remède peut, 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 peut être la solution. Donc là, on n'en est pas là encore. On est encore, en fait, je dirais, on est encore en fait à, à, au point où on étudie ce qui s'est passé en Chine et d'une certaine manière maintenant en Europe pour avoir, parce qu'il y a des données, à partir de ces données, on va avoir des informations, et à partir de ces informations-là, on va essayer d'en tirer des connaissances. Mais on n'est pas encore au niveau des connaissances, ou du moins pas autant qu'il faut. Alors, pour revenir au confinement, pour, 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 pour revenir au confinement lui-même, le confinement aide surtout à ralentir cette progression de... de, de de la maladie, donc ce qu'on appelle l'exponentiel, c'est ce qu'on appelle the, en anglais the flattening of the exponential. Donc c'est essayer de l'arrêter un peu et la réduire. Mais tout cela demande une, une rigueur et une discipline euh, au sein des sociétés. Euh, la Chine l'a très très bien fait, je pense, et j'espère que ça pourra se faire aussi ailleurs dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui attendent, euh, qui attendent un vaccin, mais le vaccin, même s'il est trouvé aujourd'hui, il ne va pas être commercialisé demain. Dans deux mois, trois mois, c'est pas possible absolument. C'est à dire, attendre un vaccin ou attendre un remède. Bon, on peut toujours attendre, hein. celui qui veut attendre, il peut attendre. Mais, mais l'essentiel maintenant, c'est d'aider parce que chacun de nous et chacune de nous est un porteur ou une porteuse potentielle du virus. Donc, chacun de nous est consciemment ou inconsciemment potentiellement euh, une personne qui propage la maladie. Et on ne veut pas propager la maladies pour surtout nous protéger d'abord, protéger nos familles et les personnes qui sont les plus démunies, les plus vulnérables entre nous, que ce soit les, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes qui, qui ont des, euh, des risques respiratoires, etc. Donc il est essentiel, ce n'est pas suffisant encore une fois, mais il est essentiel de se confiner et de, et, et, de, et de contribuer à lutter contre cette maladie par... justement, essayer de ralentir cette propagation en restant chez soi. Docteur Mlekshi, qui euh, cherche à tourner des lois nous en tous les noms de ceux qui travaillent le Massachusetts, doyen de la faculté des sciences à l'université de Massachusetts, un historien, un thème lit notre rôle ni moins que nous de guider un tifret et ou le coronavirus. Là, vous posez une question très très intéressante et très complexe à la fois. Et je dirais la chose suivante, c'est que les scientifiques ont un rôle extrêmement important, euh, parce que en fait et les chercheurs aussi, hein, surtout quand on est dans une situation comme on vit aujourd'hui, une situation où il n'y a pas de remède, où il n'y a pas de vaccin, où pas de remède quand même établi et éprouvé. Et, euh, et surtout donc la recherche c'est la pierre angulaire, c'est en fait c'est la plateforme de la science. Et donc, on, là, en ce moment, on doit redoubler d'efforts pour stimuler, en fait, les réflexions et la recherche dans ce domaine-là et essayer de trouver euh, des, des réponses à, à ce qui se passe à l'échelle planétaire. Donc, euh, et tout ça, tout ça doit se faire par, encore une fois, en utilisant les méthodes scientifiques reconnues, etc. On ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas aller plus vite que la science nous permet d'y de, 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 aller. Ce n'est pas possible. Donc, donc voilà. Deuxièmement, ce que je, je, pour répondre un peu à votre question, je pense, en tant que doyen, je suis physicien, mais je suis aussi doyen. Un doyen, le rôle d'un doyen aussi dans une université américaine, c'est essayer de créer des équipes pluridisciplinaires pour pour, pour pour faire de la recherche sur les gros problèmes, ce qu'on appelle les grands problèmes. Donc, créer des équipes pluridisciplinaires qui regroupent des gens de disciplines différentes. Alors, je pense qu'on est dans ce cas de figure ici. On est dans un cas de figure où évidemment, on a besoin d'épidémiologistes, on a besoin de virologues, on a besoin de médecins traitants, on a besoin de, de spécialistes de, de, de la respiration, mais on a aussi besoin d'informaticiens, on a aussi besoin de mathématiciens pour comprendre les données, on a aussi besoin de, de comprendre tout ça, on a aussi besoin de sociologues pour comprendre un peu nos sociétés, comment elles réagissent, on a aussi besoin de gens de communication, des gens du, qui font du théâtre, des gens qui font... Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des équipes pluridisciplinaires. Et je pense qu'on y est. Mais moi, je pense pour ici répondre à votre question, c'est que ce que l'on vit en ce moment, c'est qu'il, ça va accélérer le ce, ce virus-là une fois qu'il est passé. Hein, il va passer tôt ou tard. Hein, c'est qu'il va accélérer la euh, la transformation numérique du domaine de la santé au niveau mondial. Parce que il faut passer à une transformation numérique. On ne peut plus faire comme avant. D'ailleurs, c'est simple aujourd'hui. Vous pouvez voir aujourd'hui, Apple, j'ai vu hier ils ont, ils ont un app pour voir à peu près ce qui se passe. Euh, on peut rentrer en contact par la télémédecine. Déjà, maintenant, c'est un peu plus. Donc, et, et en plus, c'est-à-dire qu'on vit sur une seule planète, on ne vit pas sur deux planètes, on est tous des êtres humains. Donc ce que la Chine apprend, ou ce que la Turquie apprend, ou ce que le Sénégal apprend, ou ce qui se passe au Brésil, on peut apprendre à partir de là et apprendre en fait tous ensemble avec des plateformes informatiques, des plateformes numériques, pour apprendre quelles sont les mesures à prendre. Ça, donc, les équipes pluridisciplinaires joueront un rôle de plus en plus important, et je pense que commence à voir ça. Je commence à voir ici aux États-Unis, même le président Trump, hein, qui n'a pas fait quand même, à mon avis, un, un travail extraordinaire dans ce domaine-là, commence à faire appel à des gens qui sont spécialistes dans les données, dans la propagation des, 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 de, 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 de la propagation des, euh, de la maladie, etc. Euh, donc voilà. Et deuxièmement. La recherche demande un financement, ce n'est pas quelque chose qui se fait, qui, se, qui est gratuit. Et j'espère, j'espère qu'on va passer à partir de là, on va passer à un stade plus tard où on verra que tout ce qui touche l'être humain, quel que soit l'être humain, c'est quelque chose de, presque, je dirais, de sacré, où il faudrait mettre tous les moyens humains, financiers, ressources, etc. pour les résoudre. Que ce soit la santé, que ce soit la pauvreté, que ce soit des domaines comme ça. À mon avis, euh, il y a d'autres choses qui, qui, qui sont financées mieux que la recherche, mais peut-être cette histoire va changer un peu le, les choses. Je pense que vous avez raison. Quand on voit un peu les budgets de, 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 de beaucoup de gouvernements, les budgets de, de l'armement, par exemple, de beaucoup de budgets de, de beaucoup de, de, de gouvernements dans le monde, les États-Unis compris, euh, on voit que, que leurs priorités sont surtout. Le, le budget, en fait, il donne, il donne une, une idée de la priorité. Hein. Les, les budgets sont surtout, surtout axés sur des problèmes tels que l'armement, les, 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 les missiles, enfin des trucs comme ça de ce genre. Et j'espère que ça, ça va nous ramener à la raison et dire que peut-être qu'on est tous sur la même planète et autant mettre de, 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 de la, de, 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 de nos moyens financiers dans la recherche scientifique qui peut, elle, sauver des vies humaines et pratiquement sauver la planète aussi. Oui, tout à fait. Docteur, mes lectures je dire un peu plus sur euh, euh, les gens dans les, les individus, dans les laboratoires, de euh, qui propose euh, des remèdes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, oui, euh, heureusement qu'il y a des encore qu'il y a des chercheurs qui proposent des remèdes et il y en aura encore plus. Mais j'ai comme l'impression qu'en tant que qu'en tant qu'humanité, qu'en tant que que, que qu humain sur cette terre on a mis les scientifiques et les, et, et les médecins en particulier, ceux qui font de la recherche médicale aussi, les virologues, un peu dans un, dans, dans un engrenage où on leur dit d'aller vite, 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 parce qu'en en fait, on a négligé cela pendant longtemps. Donc pendant très longtemps, ces laboratoires n'avaient pas un financement, peut-être qu'on ne les prenait pas très au sérieux, et maintenant, on veut que tout aille vite. Euh, alors que la science, comme je l'ai dit tout à l'heure, a besoin de temps, elle a besoin d'aller à la vitesse à laquelle la nature lui permet d'aller ni plus vite, ni, ni, ni moins vite. Donc, donc, donc voilà donc je pense que euh, il est peut-être prématuré hein, de dire qu'il y a des remèdes, et il y a, je, je, je dis qu'il y en a maintenant, maintenant en Russie, en France, un peu partout, mais tous ces remèdes-là ont besoin d'être testés et d'être testés comme il se doit, parce que sinon, à mon avis, à mon humble avis, on peut faire des erreurs aussi et par conséquent créer des problèmes qui sont plus grands. Tout ce qu'on sait en ce moment pour revenir au confinement, c'est que le confinement est nécessaire. Je suis optimiste. Je pense que le remède va être trouvé. Je pense qu'il y aura un vaccin contre cette pandémie. Mais il faut être patient et donner l'espace aux scientifiques et aux chercheurs et aux médecins qui, dont ils ont besoin. Ne pas les presser. Parce que les presser, je comprends très très bien l'urgence, mais urgence et pression sur, sur, sur ces gens-là peut, à mon avis, créer d'autres problèmes qui seront peut-être très, très graves. Et les laboratoires aussi, peut-être qu'ils euh, qu se qu font de la concurrence eux-mêmes pour aussi euh, gagner de l'argent. Oui, 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 mais, mais, mais bon, les laboratoires, ils se font toujours de la concurrence pour gagner de l'argent, ça c'est certain. Mais je parle des, 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 des gouvernements qui, qui passent. Il y a des procédés pour accepter un, un médicament ou ne pas l'accepter. Il, il faut faire des tests sur les êtres humains, des clinical trials, comme ils disent en anglais, hein, je ne sais plus comment on dit ça en français, clinical trials, et fait dans des normes scientifiques bien admises, bien, bien préparées, et, fait, et, et, et que les pairs, enfin, que les autres scientifiques regardent ces, ces résultats avant de passer à autre chose. L'argent, maintenant, ce n'est pas une question d'argent, parce qu'ils peuvent aussi perdre beaucoup d'argent plus tard s'ils font des erreurs, hein, ou bien s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un risque aussi que tout le monde prend. Mais je pense, je suis optimiste encore une fois, je pense qu'il y aura un remède, il y aura, je pense qu'il y aura aussi un, un, un vaccin, mais il faut donner le temps au temps, et à la science. On espère. Thoura, Adnoral gharous, ou sigmion, ou à l'éducation supérieure, ou Maila, où attend le coronavirus, ismer, divdel, eslmez, dans l'enseignement ou Là, encore une fois, vous posez une question très pertinente. Euh, si vous regardez un peu ce qui se passe depuis un mois, deux mois, disons, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, au Canada, en Europe, euh, euh, en Algérie, un peu partout, les gens sont passés à ce qu'on appelle « remote teaching », c'est-à-dire qu'on qu qu fait l'enseignement à distance. Et ce, et ce passage, il s'est fait très, très rapidement. Euh, nous, là où je suis, euh, 75 000 étudiants sont passés pratiquement en, en, en 10 jours, en une semaine, euh, parce qu'ils avaient des vacances pendant une semaine, ils sont passés de, de l'un à l'autre. Donc là, on a, on a déjà montré qu'on peut faire des choses, des choses online, des choses euh, du point de vue distance. Et moi, je pense que ceci va en fait changer la manière dont l'éducation va se passer dans le futur, je pense qu'il y aura des changements monstres une fois, une fois qu'on qu passe à, à l'après après le virus corona. et, et je pense que l'éducation sera, euh, encore une fois, elle sera, le, le but sera de, de donner une éducation remote, mais de qualité aussi. Okay. donc comment, comment, comment combiner les deux? Et, et je pense que maintenant, il y aura beaucoup, beaucoup de recherches dans ce domaine-là, qu'il y aura beaucoup de travaux, de, de travaux de recherche dans ce domaine-là et qu'il y aura des universités qui vont réussir ce passage-là et d'autres qui ne vont pas réussir ce passage-là. Mais ce passage-là va permettre, encore une fois, va permettre à beaucoup d'universités et à beaucoup de gens un peu partout dans le monde d'être reliés et apprendre au bout des doigts. Et évidemment, il y a toujours ces histoires de de financing, de financement des universités, qui, euh, qui, qui qui aussi il faudrait revoir ça de près euh, aussi bien aux États-Unis que dans certains pays. Beaucoup de choses vont changer. Euh... Je pense que oui, je pense que beaucoup de choses vont changer parce qu'en fait euh, le changement là, il a été, on était obligé de le faire, mais ce changement là, je pense que les gens vont, il y en a beaucoup qui, je pense, qui vont se dire que Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir tous les cours en ligne ou tous les cours face à face. Donc, face à face, je veux dire, physiquement présent dans la même salle. Je vous donner un petit de questions. Je vous donner un petit peu de questions. Je vais vous donner un petit peu de Est-ce que vous pouvez vous dire que le coronavirus est un peu plus important pour vous donner un petit peu de questions? Encore une fois, une question très très intéressante et, et il va falloir avoir une vision, une vision globale de, de ce qui se passe. Euh, à, à, à mon avis, oui, comme vous le dites, nos, nos vies ont déjà changé. Mais il va falloir tirer les leçons de ce, qui, de ce qui se passe en ce moment un peu partout dans le monde. Un virus de quelques nanomètres hein, nous a rappelé qu'on est tous des êtres humains, qu'on est tous vulnérables et qu'on vit tous sur la même planète et qu'on peut tous avoir besoin l'un de l'autre, parce que dépendant l'un de l'autre. Donc, euh, j'ai déjà parlé un peu du financement de la recherche qui devrait changer et peut-être que de priorités euh, devrait changer des gouvernements pour passer peut-être mettre moins d'argent et de ressources dans des guerres et dans tout, tout, tout ce qui touche le, le côté militaire et peut-être passer, et je parle surtout surtout des États-Unis, des grands pays et, et les autres évidemment, et aussi peut-être faire passer un budget pour la recherche. Deuxièmement, qui serait peut-être plus conséquent. L'éducation, on va te parler d'éducation aussi. Hein, je pense que l'éducation va changer. Et, et mais il y a un changement plus profond que je voudrais, euh, j'aimerais bien parler. Je un peu de ça. Je pense que le, le tout, je ne sais pas si ça, ça va se passer. Alors là, on peut soit apprendre les leçons de tout ça ou les ignorer. Mais ces leçons-là nous disent qu'en fait, il y a des choses très très importantes plus importante que euh, de, de grandes maisons, de ceci, le gain matériel, etc. Notre santé, la santé de notre planète, la, de la, de la qualité de l'eau qu'on boit, la qualité des aliments qu'on mange. Et tout ça, c'est très, très important. La qualité de vie est très importante. Et, 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 et en plus, comment j'espère qu'on pourra comprendre qu'il est temps qu'on regarde les problèmes, les grands problèmes majeurs qui existent sur notre planète, Telle la pauvreté, le changement climatique, euh, le racisme, euh, l'indifférence des uns par rapport aux autres, etc. etc. J'espère que tous ces problèmes-là vont être maintenant et à présent et à partir de maintenant regardés d'un angle différent, bien meilleur que celui qu'on a eu jusqu'à présent en tant qu'humain. Et je vous remercie. Euh, je suis très très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, je vous remercie et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous vos auditeurs et vos auditrices et à la prochaine. Merci beaucoup. Euh, Parfait.